Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête de Saint-André, apôtre. C'est sans doute un des apôtres qui nous est le plus documenté, tant par les évangiles, puisque, pour une fois, on appelle clairement la personne par son nom, et pas par un pseudonyme ou un surnom, puisque vous savez, par exemple, Saint-Thomas, un con l'appelle Thomas, un con l'appelle Didyme, c'est compliqué. Simon, c'est un coup Cephas, c'est un coup Simon, un coup Pierre. Des fois, dans les traductions, il a été très compliqué de retrouver et de tisser le fil de la vie des apôtres. André, lui, on le sait. Tout est écrit, on sait comment il a été choisi, nous venons de le lire dans l'Évangile. Par la suite, après la Pentecôte, André, sans doute peut-être par sa vocation de pêcheur, sa vocation maritime, va, d'après la tradition, faire le tour de la mer Noire et évangéliser toutes les villes qui se trouvent, tous les ports qui se trouvent autour de la mer Noire. Il fait un petit peu de ministère, anticipant des fois les passages de saint Paul, notamment à Éphèse. On sait qu'il a déjà préparé le terrain à saint Paul, et quand saint Paul viendra quelques temps plus tard, il pourra continuer son œuvre. Ce que l'on sait surtout, c'est sa mort. Après un long périple, il va évangéliser le Péloponnèse et va s'arrêter dans la ville de Patras. La Grèce, à l'époque, est sous occupation romaine et sur ordre de Néron, ce brave empereur romain qui va faire prendre mal aux chrétiens. Je vous rappelle que c'est lui qui avait trouvé, entre autres, le magnifique principe d'éclairer sa ville en enduisant les chrétiens de toit, en les faisant attacher en haut de piquets et en leur mettant le feu. Il avait trouvé cela comme sorte de lampadaire, ça nous faisait beaucoup, sans toute autre perversion, hein, là. Entre autres choses, il a aussi fait empoisonner sa mère, violer sa sœur. Voilà. Il avait un large panel de... Disons que ça peut être parmi ces grands personnages de l'histoire, grand, parce qu'ils ont laissé des traces, à part par leurs œuvres, ces personnages de l'histoire dont on peut se demander s'ils n'étaient pas tout simplement une incarnation de Satan, comme plus tard l'aura été Hitler, ou d'autres plus récemment encore. Donc, vous voyez un petit peu le personnage. Ayant décidé une grande persécution de tous les chrétiens, même ceux à distance, en ont fait effet. Et le proconsul de Patras a donc fait arrêter André et l'a fait attacher sur une croix en forme de X, la fameuse croix de saint André qui nous est restée. Malheureusement, comme toujours, les saints ne veulent pas mourir comme on a décidé de les faire mourir. Une crucifixion, on sait que le grand maximum, c'est 3 heures avant de mourir suffoqué. Déjà, le Christ a tenu beaucoup par rapport à... Mais à un moment donné, les os se brisent, sous le poids du corps, les poumons explosent, voilà. Saint-André ne meurt pas. La foule commence à se révolter. Parce que durant tout ce temps où il est planté sur sa croix, il prêche. Il annonce le Christ à la foule qui est là pour le regarder mourir. Et au fur et à mesure où le temps passe, il convertit la foule. Et la foule se révolte contre le consul en lui disant « Mais tu ne peux pas le laisser comme ça !» Et le consul s'énerve encore plus et dit « Qu'il y reste, tant pis, jusqu'à la mort. » Saint-André restera en croix, vivant et prêchant pendant plus de 2 jours. Et il va convertir des milliers de personnes.
va même vivre une transfiguration qui sera vue par tous les témoins. Son corps va se mettre à rayonner de lumière sur sa croix. Et au bout de 2 jours, il va rendre son âme à Dieu intemporellement. Très vite, son culte va grandir. Il va d'abord être conservé précieusement à Patras, puis transporté à Constantinople, et c'est le pape Pie II qui fera venir le corps en Italie, d'abord à Rome, puis pour le protéger des invasions et des pillages à Rome, parce qu'à un moment donné c'était assez sportif aussi. Un cardinal va l'emmener sur le sud de l'Italie, à Amalfi. Alors Amalfi est un décor splendide, une vue phénoménale, et la cathédrale a été construite au sommet de la colline avec des grands escaliers de marbre blanc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le corps y est donc transporté. Un peu plus tard, on ramènera le chef de Saint-André, donc son crâne, à Rome, et il sera conservé dans l'un des 4 piliers de la basilique Saint-Pierre. Je l'ai déjà expliqué pour le voile de Véronique. Il y a 4 grandes reliques qui étaient conservées dans la basilique Saint-Pierre. Le voile de Véronique, un morceau de la croix, un clou de la Passion, et donc le crâne de Saint-André. Et chacun des piliers est donc consacré à ces mystères. Et il y a des grandes sculptures qui représentent, donc il y a un des 4 piliers où est représenté Saint-André. Le crâne, entre-temps, est retourné à Patras, puisque le pape Paul VI a rendu le crâne de Saint-André aux orthodoxes. C'est un peu connu, c'était quand même lui qui en avait eu la garde pendant longtemps. Un fait qui a toujours marqué l'histoire de France avec Saint-André, et je tiens à rappeler parce que pendant longtemps, ça a été un peu occulté après le 18e siècle, mais c'est un de mes prédécesseurs, Mgr Truchemotte à Bordeaux, qui a beaucoup fait pour le faire reconnaître en travaillant beaucoup dans les sociétés d'histoire. Il en a écrit de nombreux articles à ce sujet. C'est que Saint-André, au moment de sa mort, est apparu un garçon, un homme, il était devenu un homme entre temps, qui était à Bordeaux. Ce garçon s'appelait Saint-Martial. Et c'était. Il l'avait connu tout petit, car cet enfant, c'était celui qui avait ramené les pains et les poissons lors de la multiplication des pains. Saint-André, c'est lui qui l'a présenté au collège apostolique. Et plus tard, Martial deviendra un des 72 disciples. Après la mort du Christ, lui, il est parti en Occident avec les autres, Marie-Madeleine, Marc, Lazare, et il va évangéliser toute l'Aquitaine. D'abord, la région bordelaise, où il va laisser Saint-Véronique, à Soulac. Et à Bordeaux, il rencontre un couple, Saint-Fort et son épouse Bénédicte, à qui il va les instruire de la foi chrétienne et les baptiser. Et un jour, il prie avec Fort et Bénédicte, il reçoit une apparition. C'est Saint-André, qui est en train de mourir à Patras, et qui au même moment lui apparaît à Bordeaux en lui disant de fonder une église dans la ville où il se trouve et qu'elle lui soit consacrée. Martial va s'exécuter, ils vont construire un lieu de culte qui grossira avec le temps et qui est l'actuelle cathédrale Saint-André de Bordeaux. Et Bordeaux va pouvoir se prévaloir et le fera jusqu'à la Révolution française du titre de siège apostolique de Saint-André. Comme Rome est un siège apostolique de Saint-Pierre, Bordeaux a toujours eu ce privilège et l'archevêque de Bordeaux avait une préséance comme le primat des Gaules sur les autres et était
malheur par rapport aux autres. Par cette fondation apostolique, même si l'apôtre n'est pas venu sur place, c'était considéré comme une fondation apostolique. Et notre, le patriarche Galican, à l'époque, quand il était situé à Bordeaux, se référait souvent à cela, au Seigneur de Chauve, et avait restauré le siège de Saint-André. C'est pour cela aussi que la fête de Saint-André est un petit peu marquante dans l'église galicale. Martial, par la suite, quittera Bordeaux, laissera le siège de l'église à Saint-Fort, et il ira évangéliser Limoges, où il est toujours enterré dans la basilique Saint-Martial. Il est beau de suivre les pas des saints. C'est ce que nous dit saint Paul. D'ailleurs, dans l'Évangile, il nous parle beaucoup de saint Paul parce qu'il nous parle aussi de ce fait que les Grecs demandent à être évangélisés. D'ailleurs, la tradition aussi veut que la grande partie de la foule de la seconde multiplication des pains, là où André va emmener Martial, c'était les Grecs qui voulaient entendre le message du Christ, qui voulaient rencontrer le Christ. Et saint André s'est occupé d'eux. Et c'est pour cela aussi par la suite qu'il va aller vers la Grèce, puisqu'il a, il connaît, j'allais dire, le terrain, il s'est sans doute peut-être fait des connaissances aussi pour aller les rencontrer. Mais saint Paul nous dit aussi qu'il est bon de marcher dans les pas des saints. Et c'est vrai que quand on voit le travail apostolique qui a été fait par saint André et par tous les autres apôtres, c'est merveilleux. C'est merveilleux de se dire que partant comme ça dans l'inconnu, même s'ils étaient toujours entre guillemets dans notre pays, puisque tous les bourgeois de l'Empire romain, donc il y avait des règles communes, mais il n'empêche, aller comme ça à l'aventure, porter la bonne nouvelle, porter la parole de Dieu, au risque de mal finir la preuve, ben, c'est quand même courageux. Mais ça nous pousse aussi, nous, en tant que chrétiens, à aller porter la parole de Dieu partout. Pas juste dans nos églises. Alors c'est vrai qu'il est important, je vais faire une chose précise, parce que au moment du Covid, on a un peu entendu un élan chez certains prêtres qui disaient bah, c'est bien la preuve qu'il faut arrêter avec nos églises, avec nos communautés, s'émesquer tout le temps, là ça sert à rien. Il vaut mieux aller voir les gens comme ça, leur parler en tête à tête. Mais non, non, non. Il faut aller parler aux gens, mais il faut aussi aller à l'église. Se retrouver en communauté. On a besoin de se retrouver tous ensemble, de prier ensemble, d'avoir un lieu où surtout pouvoir venir se décharger. Franchement, c'est pas en restant à la maison qu'on va mieux. Quand on avait eu un poids sur les épaules, ça n'aide pas. Et même s'il y a quelqu'un qui vient toquer à votre porte en disant coucou, je suis curé, venez, on va discuter 5 minutes, non. Ça peut faire du bien. Mais ça fait surtout bien quand on sait qu'il y a un lieu où on peut aller se retrouver tous ensemble. La preuve, Saint-André, même à distance, à Bordeaux, leur a dit construisez un lieu de culte en mon honneur. Tout simplement pour pouvoir avoir un lieu où prier Dieu. Mais il ne faut pas l'excès inverse. Il ne faut pas que le prêtre soit enfermé dans son église, à se cantonner là tranquillement, à attendre, j'allais dire ça, sur un banc, que quelqu'un vienne. Puis bon, si ça ne vient pas, tant pis. Non! Il faut aller au contact les uns des autres, il faut porter la bonne parole. Et c'est vrai que j'ai remarqué, hein, pendant 6 mois, je n'ai pas pu faire de mission, entre guillemets, ça m'a manqué. Et ça manque aux autres aussi, parce que là, en allant à Paris, je me suis rendu compte que, ben, il y avait également, encore une fois, ah ben, content de vous voir parce que ça fait longtemps qu'on pense au mariage, mais. Vous ne savez pas. Est-ce qu'on peut en parler 5 minutes? Ben oui. Mais le fidèle ne va pas forcément aller vers l'église. S'il est éloigné de l'église depuis toujours, ce n'est pas toujours une démarche facile de rentrer. Et le message du Christ, si les hommes peuvent rester tranquillement à Jérusalem en disant oh ben, de toute façon, nous on sait ce qu'on veut, il vient nous voir. Le bouche à oreille, ça marchera. Oui, en partie, mais. Le message du Christ ne se serait pas répandu sur toute la terre en moins de 100 ans si les apôtres n'avaient pas bougé leur tête, s'ils n'étaient pas allés au contact des apôtres et des disciples.
on allait plus loin et on continuait. C'est un peu ça, il faut continuer à avancer. Et je montrais à Antoine juste avant, parce que j'ai vu quelques images tout à fait symboliques cet après-midi, parce que ça devait être tourné ce matin, mais ça a été publié cet après-midi. C'est des sœurs dans le sud-ouest à Boulogne, des cisterciennes. Et vous avez leur monastère qui avait fermé pendant plus de 30 ans, tellement il n'y avait plus de vocation. Et par une grâce et un miracle, d'une jeune fille qui est enterrée dans le cimetière de la communauté, Claire de Castelbajac, ils ont obtenu d'abord 5 vocations, puis 10, puis 15. Maintenant, elles sont une trentaine. Et elles en viennent à recréer d'autres communautés. Et c'était beau parce qu'on voyait la mère abbesse bénir 8 religieuses qui partaient pour aller reprendre une ancienne abbaye qui a été abandonnée il y a quelques temps par des moines, Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, pour la redynamiser, pour recréer une nouvelle communauté. Et de cette communauté-là, un jour, naîtra d'autres communautés. Et ça, c'est magnifique, de voir cet élan. Parce qu'elles auraient pu très bien rester dans leur tranquillité en se disant « Ouais, de toute façon, les bâtiments sont grands, on peut encore en prendre 30, mais à quoi ça sert d'être sans la même sœur, au même endroit ?» Elles ne sont pas sans la plus loin de là, mais un jour, si ça continue, autant être prendre d'un côté, prendre de l'autre, et ainsi de suite, pour pouvoir augmenter le message, le faire connaître, apporter de la paix, de la sérénité aux uns et aux autres. Suivre les apôtres, c'est des fois accepter de changer de ses habitudes et d'aller un petit peu au contact des autres. Alors en ce jour, supplions Saint André de nous donner cet élan apostolique. On en a bien besoin. Car tous les jours, on aurait tendance à vouloir rester chez soi. Alors que Saint-André nous aide, qu'il bénisse nos communautés existantes, qui nous permettent de les développer, de grandir, d'apporter ailleurs encore ce message, puis qu'il bénisse tout particulièrement notre église gallicane, vu que nos histoires se sont confondues à quelques reprises, qu'il nous protège et qu'il soit un élan pour nous tous. Voilà, grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils.